Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Oh yeah! Pour la première fois sur la chaîne du Caribou Canadien, le jeu Resident Evil Révélation live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Les révélations de Resident Evil. Oh mon dieu! Le profil auquel vous êtes connecté ne contient pas de données scordées. Voulez-vous créer? Ouais. Oh mon dieu, c'est beau. Alors bon. Ouais, je pense, je suis pas sûr de ça venait exact. C'est pas clair. Je connais pas ce personnage. Incroyable. Le Queen Zenobia. C'est un miracle qui flotte encore. Fais le tour. On va essayer de l'aborder. Ont disparu du radar. Et d'après les coordonnées de leur dernière position, ils sont... ici, sur ce bateau. Ça va, mon lapin. C'est abandonné depuis longtemps. Ah, ça sent la chair pourrie. Ah.
aucun signe de vie. Mais je sens une présence. Hé! Quoi? C'est quoi ça? Je crois qu'on n'est pas seul. Ok, comment y'a... Ah, y'a pas un ok. On dirait qu'il y a pas que de l'eau. Semblerait qu'il n'y a pas juste de l'eau. Du sang sort des conduits. Son bras, je n'ai jamais vu une telle mutation. Ça ne marche pas. Vois-tu ? Une plante! On sait qu'est-ce que Bendy fait avec les plantes, lui. Putain, les gros rats! Le matricule du navire. Il porte le nom d'une vieille reine. La reine Benoît, semblerait. C'est elle qu'on voit au restaurant, la reine Benoît. Son visage a été réduit en bouillie. Oui. Moi, j'adore la bouillie. C'est un bon mets. C'est comme un mets chinois. Non. Qu'est-ce que tu veux que je regarde? Parker, donne-moi un coup de main. Tout de suite! Une arme? J'ai quelque chose. On dirait une arme. Et maintenant? Une seconde. Alors, c'est pas Chris? Derrière toi, Jill!
Maintenant, on sait ce qui est arrivé à l'équipage. C'est pas bon du tout, ça. Où es-tu, Chris? Chris! Resident Evil. Révélation. Épisode 1. Dans les profondeurs. Dans les profondeurs. N'éteignez pas votre console. Sauvegarde réussie. NTS Special Report. C'est sur le littoral idyllique de la Méditerranée qu'a été construite une des plus grandes structures du monde. Il a fallu pas moins de 11 ans pour bâtir la première ville aquatique du monde, la cité flottante de Terra Grigia. Une métropole écologique, fonctionnant grâce à un gigantesque complexe solaire et équipée des dernières technologies durables. C'était la première fois dans l'histoire que l'énergie solaire alimentait une ville entière. Mais, en 2004, Veltro, un groupe terroriste opposé au développement de la ville, a lancé une attaque bioterroriste. Ils ont répandu un virus et plusieurs créatures appelées armes biologiques. Ces créatures se sont infiltrées dans la ville isolée et ont contaminé tous ses habitants. The Hunter. Le FBC, organisation menant la lutte mondiale contre le bioterrorisme sous l'égide des États-Unis, a été appelé sur le champ pour repousser cette attaque. Le BSAA, une ONG combattant le bioterrorisme et agissant indépendamment des intérêts des différentes nations, s'est rendue sur place pour assister le FBC. Conscient de la nécessité de prendre des mesures immédiates, le QG local suprême a donné l'ordre d'utiliser le complexe solaire de la ville contre elle-même. Le chaos qui a suivi la destruction est connu sous le nom de panique de Terra Grigia. Quelque chose pourrait faire qui va vite, ça serait comme une affaire sur pause. Le FBC a annoncé qu'il avait démantelé avec succès le groupe terroriste appelé Veltro. Cassé en pause, quelque chose comme ça avec mon. Pratiquement un an après la panique. Avec l'animation que j'ai. Mais, comme vous le voyez, la ville fantôme de Terra Grigia reste inaccessible. Nous rappelons la menace sourde que le bioterrorisme fait planer en permanence sur la planète. Bon, c'est qui ça? C'est qui toi? Ah, c'est lui ça. Ah, vous voilà tous les deux. Oh, Brian, vous êtes bien loin de votre bureau? Ouais, mon médecin m'a prescrit de l'exercice. Je présume que vous savez déjà tous les deux que le FBC a fait boucler la zone. Pourtant, ces dernières semaines, de mystérieux cadavres se sont échoués sur la plage. Je suppose que le FBC a pas pu couvrir un tel désastre. Ceux qui savent ce qui s'est passé ici vont finir par faire le lien. Et c'est justement pour ça que j'ai envoyé le BSA à mener l'enquête sur place. Est-ce que Quint vous a donné votre nouvel équipement? Ouais. Le Genesis, c'est bien ça? C'est quoi ce nom? Tu n'as pas lu le mode d'emploi, je suppose. Non, mais... je l'ai amené. Cas où. J'espère que vous les évitez, parce que vous en aurez besoin pour cette mission. Ouais, je m'y colle. Ok. Manuel de Genesis. Genesis, nom donné à un bioscanner à haute technologie testé à l'heure actuelle par le Global Pharmaceutical Consortium. Il projette un rayonnement synchrotron spécial sur la cible pour l'analyser. Analyse virale, il est possible de détecter et d'analyser les plus infimes traces de virus. Fabrication de vaccins depuis la version 1.0.4. Les données d'analyse virale permettent au produit de produire des vaccins simples. Détection,
Le rayonnement synchrotron permet de détecter des objets spécifiques, des données concernant les balles, les herbes médicales, etc. sont enregistrées dans les mémoires internes de l'appareil et exploitées lors de l'analyse. Si un objet détectable se trouve à proximité, l'indicateur situé dans la partie inférieure droite de l'écran s'allume. Le rayonnement synchrotron permet de détecter des objets spécifiques, des données concernant les balles, des herbes médicales, etc. sont enregistrées dans les mémoires internes de l'appareil et exploitées lors de l'analyse. Si un objet détectable se trouve à proximité de l'indicateur situé dans une partie inférieure droite, l'écran s'allume. Examinez le cadavre. Ah, c'est pas joli, joli. Ils sont complètement pourris. Leur peau est si pâle. C'est la première fois que je vois ça. Faites une analyse avec votre Genesis. Scan terminé. Assez gros pour que le Genesis fasse une analyse précise. Scannez les carcasses sur la plage et envoyez-moi les données. J'ai quelque chose à l'intérieur. Fais attention à toi. T'inquiète pas, j'ai déjà fait ça. J'ai quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Si c'est un agent de mutation, ça peut être une piste. Je vais faire des tests dessus. Poursuivez votre investigation. Merci, maître. EVB, on dirait que quelqu'un a déjà fouillé ces lieux. Là-bas, c'est là que se trouvait Terra Grigia. Ça fait déjà un an. Soyez prudents tous deux. Qui sait à quel point de virus nous avons à faire. C'est ce que je me disais. C'est bon, on s'en charge. Peut-être. Au fait, pourquoi avoir quitté le FBC? Je voulais être plus impliqué. Je voulais me battre. Vous allez bien, ce que je vois. Continuez les recherches, mais soyez extrêmement prudents. Oui, maître. Oh.
Coincé. Bon, ça s'ouvre pas. On n'a pas assez de données pour faire une analyse complète. Prenez des échantillons sur les carcasses de la plage. Des armes secondaires, j'utilise une arme avec RB. J'utilise une arme en visant RB. J'utilise une arme en visant avec LT, RB, changer d'arme. Ok. Putain. Oh, quelle infection. Ça a rompu avec les gaz. Bon sang, quelle horreur. Non! C'est pas ça que je voulais faire. C'est quoi le pourcentage caché qui reste là? Obtenez un objet de récupération de la santé si votre taux d'analyse atteint 100%. Le pourcentage accordé diminuera si vous analysez des ennemis du même type. J'ai assez d'échantillons. Bien, transférez-les-moi vite. Pour vous deux, pas vrai? Bon, assez discuté. Amenez-moi ces échantillons. En 2 secondes. T'es bloqué, c'est ici tantôt. Rien donné en tout. Vous voilà. Bon travail. Ça fait aucun doute. Ces corps présentent des signes d'infection virale. Et je parie que c'est pas un hasard s'ils ont pu passer le blocus du FBC. Nous avons fait le maximum. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les résultats du quartier général. Ah, c'est la ligne d'urgence. Oui, c'est moi. Quoi? Bon, très bien. Je m'en charge. Il va falloir faire vite. Dès maintenant. Bien, allez-y. Jill, Parker, vous restez sur cette affaire. Qu'est-ce qui se passe? On a perdu contact avec Chris et Jessica. Quand? Comment? J'en suis pas sûr,
Pourquoi ? J'ai envoyé les coordonnées de leur dernière position. Le signal a été perdu en pleine mer. Je croyais qu'ils étaient dans les montagnes après Veltro. Mais d'après leur position, ils seraient... Sur un navire. Je retourne au QG. Occupez-vous des recherches et du sauvetage. C'est vous qui serez mes yeux, là-bas. Oui, chef. Résultat. Le Queen Zenobia. 18h20. Je crois qu'ils ont attaqué Chris et Jessica. J'espère que non. Hé, je suis sûr que Chris est en vie. Dans ce cas, dépêchons-nous de le trouver. T'as entendu? C'était la série. Je vais vérifier. Ok, je vais jeter un œil par ici. Ok, je t'appelle si je retrouve la trace de Chris. Cette chose ressemble beaucoup au cadavre échoué sur la plage. Dis quelque chose! J'ai trouvé Chris, mais il est prisonnier. Tu peux le faire sortir? Non, la porte est bloquée. Il me faut la clé. Ok, on va la trouver. Bon ben, il nous reste qu'un choix, monter vers le haut. Thank you.
Je comprends où ça marche. C'est fermé à clé avec une encre. Je trouve ça bien, Shkada. Bon, elle est morte. Une survivante, mais les armes biologiques l'ont eue. Qui c'était ? C'est justement ce que j'essaie de découvrir. On dirait une membre de l'équipe, d'équipage. Elle doit faire partie d'un organisme.
Hughes a obtenu la clé du quartier de l'équipage. Parker, j'ai rien trouvé sur cette femme, mais j'ai récupéré une clé. On n'a rien à perdre à essayer. Après de trouver. Puis quand est-ce que tu recommences le travail, Bandy? Hier? Ok. T'as jamais été un fan des jeux Resident Evil, toi? Oh. Voyons. Moi j'aime le 0, le 1, le 2, le code Veronica. Un vent froid vient de dehors. T'es pas obligé de me mettre le texte. Thank you.
Chris. Arrête de tirer, bon Dieu. Les autres balles, j'aimerais les chercher tantôt parce que. Faut que je revienne par ici de toute façon. Jill. Vite, on doit aider Chris. Chris. C'est pas Chris. Chris. Mais qu'est-ce que c'est? Génial. Merde, c'est un piège. Qui est-ce? Vous allez connaître la vérité, Mademoiselle Valentine. Épisode 1 terminé. Jusqu'à en faire un autre épisode. On a le temps. Salut à Pharaohic, comment ça va? Docteur
dans les épisodes précédents de Resident Evil Révélation. On a perdu contact avec Chris et Jessica. Le signal a été perdu en pleine mer. Le Queen Zenobia. Ici, sur ce bateau. Aucun signe de vie. Mais je sens une présence. On dirait une arme. C'est pas bon du tout, ça. Où es-tu, Chris? Chris! Mais qu'est-ce que c'est? Oh, génial. Merde! C'est un piège! Vous allez connaître la vérité. Mademoiselle Valentine. Mademoiselle Valentine. Épisode 2. Double mystère. J'oublie toujours qu'il faut appuyer. Hein. Chaîne de montagne en Europe. 18h42. J'imagine ça c'est Chris. C'est Jessica? Non? Moi vite, Chris. Exact. On y est presque, Jessica. J'espère bien, oui. J'ai les pieds en compote. Apparemment, la base est sur l'autre versant du pic. C'est peut-être lié au temps, mais je n'arrive toujours pas à joindre le QG. Je ne pensais pas qu'on allait rester coincé là si longtemps. J'espère que il y avoir de couloir aérien ici. Ne rapport de vivant non plus. Sur Veltro était correct. Allez. Bon sang. Personne n'a pu survivre à ça. Affirmatif, ma chère Watson. Monsieur, vous allez bien? Vous avez obtenu le plan de vol. Le manifeste peut nous donner une piste. Apparemment, il se dirigeait vers l'aéroport de Valkoinen-Moki. Si c'est là qu'il se trouve, cette mine devrait nous y conduire. Les commandes ont sauté.
Jessica, viens m'aider. Viens-t'en, vite, vite. Il fait un froid de canard ici. Eh oui, les canards. J'aime pas ça. Viens, tabarnak. Là, pour être arme biologique, arme secondaire apparentée à la grenade, il permet à... Il émet un son à l'impact qui attire les ennemis à proximité avant d'exploser, détruisant tout ce qui se trouve autour de son efficacité et redoutable s'il est utilisé correctement.
Bon. Au fait, c'était Jean, c'est ça? C'est ça quoi? Concentre-toi. C'était ta partenaire avant, hein? Ouais, c'était ma partenaire avant. Et alors? Non, rien. Je me demandais, c'est tout. Juste ma jambe. Je repartirai pas tout de suite. Ne bouge pas, Chris. J'arrive. Ils sont trop nombreux. Tiens bon. Merde, on va être à court de balles. Merci. Ça devrait aller. Désolée de revenir là-dessus, mais... Revenir sur quoi? T'as autant de confiance en moi qu'Angel? Inutile de comparer. Je te fais confiance. D'ailleurs, la confiance se gagne avec les actes, pas avec les mots. Je te reconnais bien là, Chris. Tout n'est qu'une affaire de boulot pour toi.
Regarde, c'est l'aéroport. C'est leur repère. Ici Forkball, à vous. Ici Chris, je vous reçois, chef. Vous allez bien? Où êtes-vous? Les interférences ont brouillé notre signal. On est à l'aéroport de Valkolnenmoki. Bon sang. C'est un piège. Comment ça? J'ai envoyé Jill et Parker en Méditerranée d'après de fausses infos, et maintenant j'ai perdu contact. Je n'ai plus de nouvelles depuis. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Chris, il faut que tu vois ça. C'est impossible. O'Brien, ça ne va pas vous plaire. Il y a un drapeau de Veltro. Les rumeurs de leur réapparition sont donc vraies. Si c'est le cas, alors... Alors le piège tendu à Jill et Parker, c'était eux? Ouais, j'en suis pratiquement sûr. O'Brien, nous allons chercher Jill et Parker. C'est pas un problème. Pas du tout. Rendez-vous en Méditerranée et on vous tiendra au courant. T'as une idée de ce qui se passe? On verra ça plus tard. On doit y aller. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu Resident Evil Révélation, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!